Bonsoir, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette troisième saison de Miss Vodacom. Nous en sommes au cinquième prime et je suis ravi de le passer une fois encore avec vous ce soir. Nous sommes à la recherche de la Congolaise qui va représenter la beauté de ce pays à travers le monde. Nous sommes à la recherche de l'ambassadrice. Il y en aura 12 ce soir, mais malheureusement, il n'y aura qu'une seule couronne sur les 12. Deux nous quitteront, mais là, nous aurons bien le temps d'y revenir. Le thème de ce soir, c'est « Nos Miss ont le rythme dans la peau ». Et ce sont nos jurés qui vont choisir qui restera ou qui partira. Et ce sera avec vous, mesdames et messieurs, car votre jugement, votre vote, vos votes compteront pour 50% de la note. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Agustino. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Je vais très bien. Bonsoir Albert, vous allez bien ? Bonsoir Agustino, je vais très bien, merci. Bonsoir Maman Odia, comment allez-vous ? Bonsoir Agustino, je vais très bien, merci. Et vous ? Tout de rouge, vêtu. Faites-moi un sourire à la Albert, s'il vous plaît. Voilà, merci, j'aime beaucoup. Le rire, on verra pour plus tard. Vous n'êtes pas seul ce soir, trois personnes nous accompagnent. Ce sont des artistes. Je ne vais pas trop m'étaler quant à leur fonction, mais je vais au moins vous donner leur prénom, ou du moins leur nom d'artiste. Bonsoir Jay Brother, est-ce que j'ai bien prononcé ? Ouais, c'est très bien pour lui, c'est bonsoir. Merci beaucoup. Avec un G également à côté, Gwen. Bonsoir, Gwen. Bonsoir. Vous allez bien ? Très, très bien, merci. Avec un L, Lambio, Lambio. Bonsoir. Bonsoir, Ben. Vous allez bien ? Trop bien. Trop, j'ai l'impression trop. Que vous êtes ailleurs, là. Non, je suis là. Bon, d'accord. Présent. Je vous surveille. Ok, très bien. J'espère que vous avez bien surveillé cette semaine, parce que vous l'avez bien compris, c'était sous la thématique de la danse. Alors, pour ceux qui ont loupé des épisodes, ce n'est pas bien, on ne va pas tirer d'oreille ce soir puisqu'il s'agit de fête. Un petit récapitulatif, allez, séance de rattrapage, regardez. Bienvenue à Évasion Douceur. Donc aujourd'hui, ça va être mode relaxation, massage. Encore, c'est faux, paraît que t'es fort. Vas-y, mets-les tous d'accord. En fait, si on est puni aujourd'hui, c'est de ma faute, quoi. Alors là, nous sommes à l'étape de massage. Donc les 30 minutes de découverte qu'on offre aux filles. On a déjà fait une grande partie du corps, nous sommes aux mains. Et après, nous allons passer au visage. C'était vraiment très relaxant. Et oui, on mérite ça, parce qu'on a perdu. Les autres, ils ont mérité le massage. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous allez bien ? Ben moi, je vais vous présenter d'autres profs. Puisque le thème de cette semaine, c'est la danse. Si je suis en tant que coach. Bon, on va mettre un truc qui bouge un peu là, hein. Aïe. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif de la semaine. Nous sommes obligés de sélectionner 4 par groupe. Donc la première Miss Déborah Amanda Geneviève m'a dit. Donc moi je vais utiliser un son kizomba. Emma, Armel, Denise, Céleste. Moi je vais utiliser un son hip-hop. Moi pour mon groupe, là j'utilise le tam-tam. Sarah, je sais que tu es malade, à ton soubé, la petite sœur, on ne va pas dans ma camarade. On va faire feeling en bunda et ling en bunda. Deuxième. Ah, ma queue la vitesse. Notre groupe, c'est groupe B. On doit vraiment faire des efforts pour mieux y arriver. Première fois pour moi de danser l'hip-hop. 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4. Mais en fait, le problème, c'est moi. Comment tes amis pratiquent ? Je sais pas. Félicitations, vraiment. It's busy. Yo, yo. Il paraît que nos miss
plein de talent, que je découvre aujourd'hui. Elles sont danseuses. Donc il va falloir voir ça de près. Vous n'êtes pas des danseuses professionnelles. Donc on ne va pas vous réclamer une performance extraordinaire. Mais on vous demande de donner le meilleur de vous-même. Franchement, sincèrement, je dis merci parce que j'en avais besoin. C'est depuis vendredi passé que je suis malade. J'avais d'abord commencé avec une anxiété, avec malaria et tout. On va faire un petit atelier cocktail. Donc je ne vais pas vous faire les cocktails, mais je vais vous apprendre à faire quelques cocktails que vous allez déguster vous-même. Le shaker et le verre. Chaque groupe a essayé de pratiquer différentes sortes, en alcool, d'autres sans alcool, comme ce qu'on a donné à Sarah parce qu'elle ne prend pas l'alcool, elle est sous cure. Vous regardez Miss Vodacom saison 3, c'était le résumé de la semaine. Vanessa, vous suivez les candidates depuis 5 semaines. On va aller voir défiler dans quelques instants, mais selon vous, est-ce qu'elles sont au niveau, du moins à un niveau suffisant pour pouvoir défiler plus tard, ne sait-on jamais, lors de défilés internationaux? Je ne pense pas qu'elles soient au niveau, mais en tout cas, elles font d'énormes progrès. Pour pouvoir défiler, il faut d'abord avoir confiance en soi. Oui. Il faut avoir de l'allure, de l'élégance, connecter avec le public du regard et savoir marcher. Et certaines d'entre elles ont des efforts à faire, mais en tout cas, je leur fais confiance. Vous leur faites confiance et vous pouvez. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vos votes comptent pour 50% de la note. 50%, ce sont les jurés et 50%, c'est vous. Alors, pour vous aider dans votre choix, tout à l'heure, il y aura notre traditionnel défilé. Mais juste avant ce défilé, j'aimerais bien que vous puissiez suivre, la séquence qui va suivre. Ce sont nos candidates qui s'expriment elles-mêmes sur le défilé. Regardez. Miss Vodacom, je y ai passé quelques défilés. Je n'ai pas encore fait des défilés, que ce soit mannequin, pas encore. J'ai déjà fait aussi des défilés en public, mais c'était pas professionnel. C'est la première fois pour moi de défiler devant les gens. J'ai déjà eu à défiler une ou deux fois. J'ai déjà eu à défiler deux ou trois fois. J'ai eu à défiler quand j'étais un peu plus jeune d'âge. C'est ma première fois de défiler. Non, c'est pas la première fois pour moi de défiler. Ce n'est pas vraiment la première fois pour moi de défiler. Et là, j'ai encore appris plus. Et je garde espoir, Jusque-là, le défilé le plus dur pour moi, c'est le troisième défilé. Du troisième Pride. Le défilé le plus dur. C'était le défilé où on a défilé au Gare Centrale. Le défilé de la première Pride. Le défilé du premier prime. Le troisième défilé. J'ai été parmi les personnes qui étaient, bon, moins votées, je peux dire. Je pense que c'est un peu un mot hors contexte, mais le plus stressant peut-être. Le tout dernier. C'est les derniers défilés qu'on vient de faire là. J'avais peur qu'on m'élimine. J'avais trop de douleurs, donc c'était trop difficile pour moi. J'étais pas sûre de moi, tu vois. Ça m'avait vraiment stressée. Le défilé pour lequel j'ai beaucoup aimé. Quatrième défilé. Le premier. Ah, non, j'ai deux que j'ai aimé. Du deuxième prime. Pour dire vrai. Parce que le thème, en tout cas, ça concordait avec toutes les filles. Un défilé libre, quoi. Tu pouvais jouer, tu pouvais
danser. Moi-même, j'ai vu que le blé là, ça me voit un peu. Je me suis défoulée plutôt. Quatrième défilé. Pour moi, c'était magnifique. J'ai pressenti que j'avais bien marché. Nous toutes, presque, on s'est senties vraiment dans la peau et c'était une ambiance là, merveilleuse donc. À Miss Vodacom, j'ai appris beaucoup de choses. Comment marcher. J'ai appris à mieux poser. J'ai quand même à découvrir que non, quand on est Miss, on doit poser de telle façon. Tu peux bien marcher, mais tu ne peux pas bien défiler parce que défiler c'est autre chose, marcher bien c'est autre chose. Je n'arrivais pas à différencier les choses avant. Ici, dans les manoirs secrets, j'ai encore plus amélioré. On a toujours l'habitude de poser comme un mannequin. Ce que j'ai appris de nouveau en matière de défilé. Avant, je marchais un tout petit peu lente et tout, comme si je dandinais. Ici, j'ai amélioré vraiment. Je marche très bien, je me sens à l'aise quand je marche. C'est pas donné à tout le monde qu'un coach vienne chez vous, vous apprendre à défiler, à faire la différence entre... Un défilé mannequin et un défilé Miss, que ce n'était pas la même chose. On nous a appris à marcher un peu plus vite et tout, genre vivante quoi. Un peu ça, j'ai appris beaucoup de choses au Miss Vodacom. Girl, your body make me glisten, and I want to have a taste. Where you dancing to the best? Girl, I want to know your place. Girl, your body make me glisten, and I want to have a taste. Where you dancing to the best? Girl, I want to know your place. From Jamaica down to London, Australia to Hong Kong. Oh my God, tell me where you come from. Oh, you see my. Where you at? I'm good. Les filles sont habillées par Jean-Pierre Ombali, styliste congolais. Maman Odia, dites-moi, tout à l'heure nous avons vu des filles d'exception, mais alors, ça, c'est lors d'un défilé, elles sont déjà belles, mais qu'est-ce qu'une Congolaise d'exception au quotidien? Qu'est-ce qui la distingue? Son allure. Si elle a une allure naturelle et qu'elle peut
dans son quotidien se mouvoir presque de la même manière que sur un podium. Donc, sans réfléchir, je pense que c'est ça, une femme de distinction. La classe au naturel. Voilà. Et Albert approuve. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez avoir un show, mais je ne peux pas vous en dire plus, mais un show, vous n'allez pas le regretter. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Voilà. Attends. Allez, vas-y mon bébé. Vas-y, tu peux envoyer la musique. Depuis toujours, Vodacom invente le réseau de demain. Vodacom 3G+, et Kotinakin, Kinyabanka, Kinyaba vrai chéri. Paka Mukatanga, Fasi Bato Bote Beko na Furaya. Vodacom 3G+, Wabalenge là. Eh, tout dit bien à Muntou. Fashina Shindabulaya. Et s'étend dans tout le pays pour permettre à ses millions d'abonnés de partager les plus petites choses avec plaisir. Vodacom 3G+, meilleur réseau internet en RDC, qualité et couverture. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Bienvenue au Memling Hotel de Kinshasa. Plus qu'un hôtel, le lieu idéal pour vous évader et passer un moment agréable et relax grâce au cadre convivial que vous offre le cockpit bar et le restaurant La Brasserie. Chez nous, vous trouverez une équipe passionnée par la gastronomie et prête à répondre à vos moindres petites ou grandes exigences. Grâce à un menu varié, nous assurons une expérience inoubliable à vos papilles gustatives. L'hôtel Memling, le lieu pour vos dîners à Kinshasa. Hyundai.
say them a go get murder. Ah, girl, them a bubble and a wine, so me dad say me in ya. Vous regardez Miss Vodacom saison 3. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez voter et vous devez voter pour élire celle qui restera la semaine prochaine. Et vos votes comptent pour 50% puisque ceux de nos jurés comptent également pour les 50 autres pourcents. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, nous allons nous divertir. Vous allez vous amuser ce soir avec de la danse car cette semaine est consacrée à la danse. Dans quelques instants. Quatre candidates, puisqu'elles sont 12, alors ça va se passer par groupe de 4. Il y aura donc 3 groupes. Elles vont nous interpréter différentes danses. Hein. Je vais commencer par le premier style. Alors c'est un style, essayez de deviner de quoi je parle. C'est un style qui est né en Angola, déjà, ok, pays lusophone. C'est une danse assez langoureuse, assez sensuelle. Elle est dérivée du semba. La samba, non, ce n'est pas vraiment ça. Ça se danse à deux. Ça s'appelle tout simplement... Kizomba, exactement. On a trouvé de ce côté-là. Je pense aussi de ce côté-là également, on a trouvé. Et je suis sûr que chez vous, vous l'avez trouvé. Alors, qui va danser le Kizomba ce soir? Maddy, Déborah, Amanda et Geneviève vont ouvrir le bal. Mesdames et messieurs, ouvrez-vous aussi grand vos yeux. Regardez. On va faire une répétition générale. On a commencé hier. Il y a eu du gros boulot qui a été fait. Là, ça commence vraiment à devenir très, très, très intéressant. Elles sont super motivées, beaucoup de dynamisme, enfin, tout nickel. Kizomba, 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 avec des super danseurs et des super danseuses. De retour dans Miss Vodacom saison 3, je vous avais promis un show, mesdames et messieurs, des plus mémorables. C'est l'épreuve de cette semaine puisqu'il s'agit de la danse, la thématique, c'est nos Miss ont le rythme dans la peau. La danse que nous allons vous présenter à présent, elle vient d'Afrique, certes, mais plus précisément d'Angola. C'est l'ancêtre du semba, c'est une danse langoureuse, c'est une danse sensuelle qui se danse à deux. Oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de la Kizomba, regardez. Amor y mi vida.
per tu bon, bota dan costa buca talican, baby a mi intende, si an comprende chi buca cremas, si buca cremas, tenena bo vita, è difficile per mi ma un ten chi intende. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez voter pour Déborah, envoyez le 5 par SMS. Amanda, il s'agit du 3. Et pour Geneviève, c'est le 12. Et enfin, Maddy, c'est le 11. Encore des applaudissements pour nos danseuses et pour les danseurs qui les ont accompagnées. Bonsoir, rebonsoir Gwen. Alors, qu'avez-vous pensé de la prestation de nos danseuses, de nos Miss, puisque le temps de préparation fut très court? Avant de dire ce que je pense, je voudrais déjà les remercier pour la confiance dont elles ont fait preuve vis-à-vis de moi. Et puis, je voudrais dire que je suis très, 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 très fière d'elles. Voilà. Même s'il y a eu des petits couacs, je suis très fière parce que c'était un challenge qui n'était vraiment pas du tout facile à relever. C'est une danse qui était complètement inconnue pour elles. Donc, oui. C'est vraiment une performance, une très, très belle performance qu'elles ont fait ce soir. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que je suis très fière de ce qu'elles ont fait. Voilà. C'est parfait. Merci. Qu'est-ce qui fait une bonne danseuse ou un bon danseur de Kizomba? C'est différent pour un danseur et pour une danseuse, donc je vais d'abord répondre. Alors pour la danseuse. Voilà, la danseuse, c'est essentiellement à la base la grâce. Voilà. Ensuite, le garçon, c'est son côté un petit peu macho qu'il faut faire ressortir. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est une danse de couple, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment la communication entre deux personnes qui passe par autre chose que par le verbal, c'est-à-dire par... Le corporel. Ouais. Et donc, la danseuse se doit d'être à l'écoute du danseur. Quand on dit que c'est une danse sensuelle, qu'en pensez-vous ? C'est tout à fait vrai. C'est très sensuel, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. Allez, on va changer de style à présent. C'est un style musical qui nous vient des États-Unis. Il est né en 1970 dans le Bronx, dans le sud du Bronx. C'est à New York. Ça mélange le DJing, ça mélange la danse, ça mélange le graph, donc l'expression, on va dire graphique, hein, et puis également le rap. Mais là, ce soir, nous allons nous concentrer bien évidemment sur la danse. Vous l'avez compris, il s'agit du hip-hop. Et qui s'y colle ce soir? C'est tout simplement Denise, Armel, Emma et Céleste. La réponse dans un petit instant, parce qu'on va d'abord voir les préparations, et puis après, nous discuterons plus amplement danse. Regardez. Club de danse, hip-hop, deuxième jour concentré à la synchronisation des pas. Attendez-vous à un très beau spectacle de nous. En tout cas, je veux me donner à fond pour avoir juste ne fût-ce que 1-1, 15-0. Super, super, super. Je sais très bien qu'elles sont vraiment prêtes et elles feront des bonnes choses, voilà. The club was far from empty. It was crowded at the entry. I slide right through like how I do. This girl began to tempt me. She said her name Shaida. I could tell her mama feed her. When they tighten thick, them jeans don't fit. I'm L. Nice to meet you. I could feel my body yearning. The room just started turning. Didn't want to go out on the floor, but this girl was so determined. My brain began to sizzle. I'm sweating just a little. On the dance floor in the middle. Thank you.
Une femme de rêve à le rythme dans la peau. Hip hop, now, c'est maintenant avec Denise, Emma, Céleste et Armel. Hey, on va s'amuser. On y va. Applaudissements s'il vous plaît pour Denise, Armel, Emma et Céleste, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que si vous voulez voter pour Denise, faites le 14. Si vous voulez voter pour Armel, faites le 17. Pour Emma, faites le 19. Et pour Céleste, envoyez le 20. Voilà. Je crois que cette piscine a un effet euphorisant. Il faudrait qu'on vérifie l'état de l'eau. Petite question. Alors, Jay Brother, qu'avez-vous pensé de vos élèves? Elles étaient vraiment super, super. Comment? Pas de commentaires, no comment. À vous, il n'y a pas de commentaires, c'est bon, vous êtes pas de commentaires. Tout était vraiment visible, pas de commentaires. Ouais, c'est l'effet magique dans l'eau avec la piscine aussi qui vous rend comme ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je voudrais savoir une chose. Est-ce que du fait que nous soyons au Congo, est-ce que notre situation géographique influence le hip-hop avec nos danses traditionnelles? Vous trouvez pas qu'il y a un peu de danse traditionnelle dans le hip-hop ou alors non? Le hip-hop pratiqué ici est exactement le même qui pourrait se pratiquer n'importe où ailleurs dans le monde? La réponse à votre question reviendra juste après la définition des mots danse.
comme étant enchaînement des pas accompagné d'un rythme musical, l'hip-hop n'a pas de limites. Donc, il peut vraiment s'exprimer devant n'importe quel style de la musique qu'on peut balancer. L'hip-hop n'a pas de limites. D'accord, il peut avoir des influences Ndombolo, par exemple. Tout. Je peux donner un exemple, moi, là, je suis en pleine préparation d'un spectacle, mais qui ne sera pas joué avec la musique hip-hop, mais juste avec les tam-tam. Donc, musique traditionnelle. Voilà. Ça tombe très bien, puisque la musique traditionnelle, plongeons-nous-y à présent, avec Sarah, Passy, Jessica et Rachel. Mais juste avant que nous puissions les voir s'exprimer sur scène sur de la danse traditionnelle, je vous propose de faire un petit retour sur les répétitions. Programme allez les amis, ça fait deuxième jour de Nazana Bangou. Je vais danser juste, mais deux jours de répétition, je vais aller le retour au salaire. Bon anda, au vivre. Owa, 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 la tiki. Owa, owa. On va chauffer avec la chorégraphie du coach Lambio Lambio, donc on va taper très fort. J'habite ailleurs, mais je suis née ici, je suis l'enfant de l'Équateur, Bandaka c'est chez moi. Et du coup, c'est dans le sang, on n'est pas congolais pour rien, donc voilà. Je représente aujourd'hui et demain, je représenterai encore plus. Vraiment, Bananga Idi, Mazawana, Mazawana, prête. Bagnati, chorégraphie, dans deux jours. Manka Kadiak. Bamouna. Bakoki, Koti Kalaka. Ba miss ba koki koti kalaka. Ba koki koti kalaka. Tika.